Bonjour mes délicieux co-créateurs, c'est Lilou, je suis à Toulouse aujourd'hui lors de ce magnifique Juicy Living Tour Europe, puisque cette année je voyage à travers toute l'Europe et j'interviewe des personnes comme vous, Daniel, des personnes qui m'inspirent, qui travaillent avec le cœur. Vous écrivez, vous avez écrit plus de 30 livres. J'en suis au 32e effectivement actuellement. 32e. Oui, oui, oui. C'est un livre par an. En fait, depuis que j'ai commencé à faire ce travail public en 80, c'est ça. Premier livre est sorti en 80. C'est fou. Donc vous vous arrêtez plus, vous écrivez, vous recherchez, vous testez et vous partagez avec le monde hein, dans plein de langues. Donc ça se répand en grande vague. C'est-à-dire qu'en fait, j'écris, non pas pour écrire, mais j'écris au rythme de ce que je vis. Et comme ma vie est finalement assez intense, les informations, les expériences viennent toujours à moi et ça m'a amené dans une sorte de... Je ressens ça comme une mission finalement de témoigner d'un certain nombre de choses par rapport à la conscience humaine et par rapport à la possibilité de cette conscience humaine de se connecter à l'universel en quelque sorte. Donc là, on ne parle pas de religion, hein, on parle bien de spiritualité dans le sens très très large du terme. Voilà. Moi, je ne suis pas du tout quelqu'un de religieux, absolument pas. Les dogmes m'ont toujours un petit peu rebuté. Je trouve qu'ils sont limitatifs, ils sont humains. Moi, ma quête, elle est véritablement spirituelle au sens premier du terme. C'est-à-dire que je pense qu'il faut expérimenter la connexion de notre conscience avec l'ensemble du cosmos, avec le divin en soi et le divin partout, même dans la nature, comme ici aujourd'hui. Pour moi, c'est cela, la recherche de la spiritualité. Et ça m'amène vraiment à faire des expériences intérieures absolument fantastiques et m'emmène dans des directions que je n'aurais pas soupçonnées il y a plus de 30 ans, en fait. Est-ce qu'on peut dire que plus on est dans sa quête spirituelle, plus on revient à se reconnecter de l'intérieur au grand tout, et c'est plus ça le travail qu'il y a à faire plutôt qu'à l'extérieur? Oui, on peut pratiquement même s'enfermer un peu trop, ou ça nous ouvre au contraire? Comment ça non, se passe? On en revient, moi, ce que j'appelle le Christ intérieur. Et quand je parle de Christ, je ne fais pas allusion à la religion chrétienne. Je pourrais dire aussi bien le Bouddha intérieur, peu importe. C'est notre étincelle divine. Effectivement, plus notre conscience grandit, plus on s'aperçoit en fait que le fait de monter nous fait descendre en nous-mêmes. Ça paraît contradictoire, mais la montée, l'ascension de la conscience, c'est aussi une descente à l'intérieur de soi. Il peut y avoir des moments où effectivement on peut avoir tendance à se replier sur soi-même, mais à mon avis, enfin en tout cas en ce qui me concerne, c'est toujours des phases extrêmement brèves. Le fait de descendre à moi-même m'a plutôt beaucoup ouvert sur l'extérieur, à tel point que je crois qu'il n'y a plus... Dans les moments où véritablement je suis connecté au cœur de moi-même, il n'y a plus ni de haut, ni de bas, ni d'intérieur, ni d'extérieur. Mmh. C'est ça que je recherche en fait, cette sensation d'unité avec l'étincelle de vie qui nous habite tous. Et ça se passe au niveau du cœur ? Ça se passe au niveau du cœur, je crois que ça se passe au niveau. Parlez-nous un peu du mécanisme et ce que vous ressentez par rapport à ça ou ce que vous avez découvert. Je crois que notre mémoire profonde, ce qu'on appelle l'atome germe, en fait, ce qui nous suit d'existence en existence, toute notre banque de données, si je veux reprendre un terme moderne, se situe là, justement, au cœur de notre cœur. Les Égyptiens appelaient ça, il y a un petit point, d'ailleurs, c'est un point auquel les chirurgiens savent qu'ils ne doivent pas toucher, chirurgiens cardiaques. Les Égyptiens connaissaient déjà ce point mémoriel au niveau de notre cœur. On dit aujourd'hui qu'il est constitué d'à peu près 40 000 cellules. Et les Égyptiens appelaient ça le point vie. Alors moi je m'aperçois qu'à chaque fois que j'entre dans des états d'intériorisation extraordinaire où ma conscience s'expanse, où je sors de mon corps, parce que c'est ça un petit peu la base de mon travail, projeter ma conscience en dehors de mon corps, eh bien finalement je vais puiser toutes les informations dans le disque dur de mon âme, je dirais, dont la contrepartie physique se trouve au niveau du cœur. Alors c'est pas étonnant que la plupart des grandes traditions, des grandes religions nous ramènent toujours au cœur, parce que finalement c'est pas simplement une pompe le cœur, hein. C'est une pompe bien sûr au premier niveau, mais à un autre niveau c'est vraiment là, je crois, le point d'enracinement de notre conscience supérieure dans la matière. Alors tout se trouve là.
Comment on peut ressentir ce point ou quels sont les exercices que vous pourriez recommander? Est-ce que c'est complexe ou finalement assez simple? Ça peut être à la fois très complexe et très simple parce qu'il y a une multitude d'exercices que l'on peut faire. Je ne vais pas en énumérer là parce que ça serait un petit peu fastidieux. J'ai écrit quelques livres sur le sujet, dont La méthode du maître par exemple, puis celui que je vais sortir ici au mois de septembre qui va s'appeler Advaita. C'est un livre également d'exercices. Mais ce que je peux dire, c'est que derrière l'apparente complexité par moment de certains exercices, il se cache une simplicité qui est à trouver. C'est-à-dire que l'exercice ne doit plus être une technique. Mm-hmm. Quand on comprend l'essence de l'exercice, les petits détails, la respiration, les visualisations, quand il y en a, s'effacent tout d'un coup et on en revient toujours à une grande simplicité. Moi, je pense que dans cette recherche-là spirituelle, il faut désapprendre. On n'a pas à apprendre quelque chose, mais à plutôt désapprendre des couches d'éléments conditionnants qui nous ont coupés véritablement depuis des temps immémoriaux de notre essence réellement. Donc mon travail, c'est plutôt une recherche de la simplification. C'est pour ça qu'un mot comme le mot ésotérique, qu'on en associe assez facilement au genre de travail que je fais, de recherche, de témoignage, c'est un mot que je n'utilise plus. J'ai toujours répugné à l'utiliser, mais maintenant je ne l'utilise quasiment plus parce que j'estime que ça met encore des barrières et ça rend les choses plus complexes qu'elles ne le sont. C'est une recherche de la simplicité. En fait, je crois que c'est dans la simplicité que l'on se trouve soi-même et que l'on peut trouver vraiment notre connexion avec tout ce qui est en réalité, avec autrui, avec l'univers, et c'est ça qui est beau. Et on se trouve à ce moment-là dans des moments d'enthousiasme au sens premier du terme. D'extase. D'extase, et c'est exactement ça, oui. Le miracle est possible. Ben oui. Donc il y a un déconditionnement de ce conditionnement dans lequel on a grandi. Oui, moi je crois que l'on ne peut pas véritablement faire de chemin intérieur s'il n'y a pas un déconditionnement, si on ne doit pas désapprendre les certitudes dont nous avons hérité par notre culture, par notre famille, sur le plan génétique aussi. Nous sommes dans des schémas, depuis des millénaires et des millénaires qui ont entretenu en nous la notion de dualité. On ne fonctionne par bien, mal, plus, moins, beau, pas beau, etc. Et tant qu'on restera dans des schémas aussi primaires que ça, je crois qu'on peut pas, on pourra pas véritablement avancer. Il faut avoir tendance, je crois, à travailler dans le sens de l'union, de la communion avec le tout en soi, en fait. Donc là, il y a un travail de guérison. C'est un travail de guérison, un travail de réconciliation aussi. J'ai été amené à chercher, de par mes sorties du corps et par mes plongées dans ce que j'appelle la mémoire de l'univers, les annales akashiques, j'étais beaucoup amené à plonger dans les enseignements premiers du Christ, par exemple. Et je me suis rendu compte que le Christ, le Maître Jésus, avait communiqué un enseignement qui est très différent de celui que nous connaissons aujourd'hui par l'intermédiaire de l'Église, par exemple. Et qu'il recherchait essentiellement à communiquer à ses plus proches disciples ce que j'appelle l'Advaita, enfin ce que les orientaux appellent l'Advaita, c'est-à-dire ce sentiment d'unité, de communion. Il n'y avait pas pour lui le bien d'un côté et le mal de l'autre, il y avait surtout ce qu'il appelait ce qui fait avancer, c'est-à-dire la réunion des deux. Pas un pôle ou l'autre pôle de la batterie, mais la batterie dans son ensemble. Alors c'est dans cette direction-là que j'essaie d'avancer et de témoigner le plus possible. Parlez-nous-en un peu plus de ça, parce que c'est bien. Ce que j'aime avec vous, c'est qu'on aborde certaines choses qu'on n'entend pas partout. Et en même temps, qui résume, enfin pas qui résume, mais là on parle de l'essentiel. Donc parlez-nous de cette union. On parle d'amour inconditionnel, je suppose, une autre sorte d'amour où le bien et le mal n'existent plus mais coexistent. C'est ça. Il n'y a même plus ces labels-là, en fait. Exactement, c'est tout à fait ça. Par exemple, d'après ce que j'ai pu obtenir comme données, justement en cherchant dans cette mémoire du temps, il est clair que pour un être comme le Christ, le Maître Jésus, il n'y avait pas, d'un côté le profane et de l'autre le sacré, et pas le corps et l'esprit. On a voulu nous donner cette image-là de son enseignement, un petit peu dualiste, en disant « vous devez faire ci, vous ne devez pas faire ça ».
Ça, c'était peut-être pour l'image que les premiers pères de l'Église ont voulu donner de son enseignement, peut-être parce qu'ils n'étaient pas capables même de voir un petit peu plus loin que ça, ou qu'ils estimaient que le peuple ne pouvait pas voir au-delà de cela. Mais en réalité, l'essence de son enseignement ne partage pas d'une façon comme ça aussi systématique. Ils ne voyaient qu'une seule chose, un soleil. Point final, un soleil avec lequel nous devions fusionner en quelque sorte. Donc pas de tâches profanes dans la vie, pas de tâches sacrées, une seule chose, un seul élan de l'être qui doit l'amener à avancer et à grandir intérieurement. On ne rejette pas le corps est le prolongement de l'esprit. L'esprit ne peut pas grandir s'il ne passe pas par l'expérience du corps, par exemple. C'est la raison pour laquelle aussi, eh bien, un être comme lui a mené véritablement, et c'est ce que les religions nient d'une certaine façon aussi, a mené une vie pleine d'hommes. Il a été marié en son temps, bon, et c'était tout à fait normal. Il avait la fonction, il était rabbin, en quelque sorte, en son temps, et il a épousé une femme, Myriam de Magdala. Pour moi, ça fait strictement aucun doute. C'est ce que les images du passé qui viennent à moi me disent. Et c'était tout à fait logique à l'époque. Un rabbin devait mener une vie d'homme marié. Sinon, on pensait dans ce temps-là qu'il ne pouvait pas parler de la vie en général, étant donné s'il ne connaissait pas la globalité de la vie. Et il a pratiqué à ce niveau-là, je crois que je peux le dire aujourd'hui, une discipline d'ordre tantrique au sens le plus sacré du terme. C'est-à-dire qu'il a complètement intégré la maîtrise du souffle, la maîtrise du corps pour enseigner l'ascension de la conscience. Alors évidemment, quand on parle de tout ça aujourd'hui, il y a des gens que ça enthousiasme, mais il y a aussi des personnes que ça choque, parce qu'on garde une image du Christ qui est complètement désincarnée. C'est Dieu sur terre, point final, il est arrivé tout fait d'un jour à l'autre. C'est pas aussi simple que ça. C'est un être humain qui a été adombré, à mon sens, par la conscience christique, qui est un champ de conscience, qui n'est pas quelqu'un. Et cet être a fait, a œuvré toute sa vie pour l'union des apparents contraires, pour la réconciliation de l'être humain avec le divin au cœur de lui-même. Donc il y a eu un certain accord avant, d'âme à âme, avec Marie Magdalene. Bien sûr, oui. Je pense qu'elle a été le réceptacle privilégié de son enseignement. Ensuite, il y a eu des femmes comme Marie Jacobée, Marie Salomé, qui ont reçu également des parts de cet enseignement. Mais ce que l'on ne sait pas assez aujourd'hui, ou du moins que qu'on commence à redécouvrir avec ces fameux évangiles qui font partie de l'école gnostique, c'est que l'enseignement le plus pointu du Christ faisait appel essentiellement à la sensibilité féminine. Il a véritablement coupé avec la tradition patriarcale de son temps. Et c'est une des raisons, et ça on ne nous le dit pas non plus évidemment, une des raisons pour lesquelles il a autant dérangé à son époque. C'est ça qui l'a mené à la crucifixion, parce qu'il allait chercher dans l'individu la sensibilité féminine qui est, je veux dire, il crée une rupture avec les prophètes traditionnels du peuple d'Israël et de la plupart des enseignements de tout le bassin méditerranéen à l'époque. Alors quand je parle de sensibilité féminine, ça ne veut pas dire qu'il s'adressait uniquement aux femmes, pas ça. Il s'adressait à la part féminine de l'homme aussi, justement sortir de cet aspect guerrier et duel qui a toujours mené l'humanité, et qui le mène encore aujourd'hui. Mais je crois qu'on a peut-être fait un pas de plus, du moins je l'espère, dans la compréhension de ce qu'il a tenté de nous enseigner. Donc il serait un exemple pour ça, pour hommes comme pour femmes, d'ouvrir cette partie féminine en nous, de la toucher, de l'exploiter, entre guillemets, de vraiment s'en nourrir, et qu'on soit homme ou femme. Je crois que c'est tout à fait ça. Et puis je pense qu'on est arrivé aujourd'hui à un point dans notre société où il faut qu'on regarde dans cette direction-là, je crois. Parce qu'il me semble qu'on a, on a tellement, on a tellement épuisé, je pense, tous les aspects
de notre nature guerrière et dualiste, on se rend bien compte que le chemin qu'on a pris jusqu'à présent nous mène à une impasse. Donc il faut qu'on change de façon de fonctionner. C'est même pas une question de spiritualité, c'est une question de logique rendue à ce moment-là. On sait très bien, ça fait des milliers et des milliers d'années, voire plus, eh bien, qu'on fonctionne toujours de la même façon belliqueuse, la loi du talion, etc. Et que si on ne change pas de mode de fonctionnement radicalement, ben on se heurte nécessairement à un mur. Alors je crois qu'on arrive maintenant à une croisée des chemins où si on veut prétendre à un peu plus de bonheur, puis finalement, qu'est-ce que tous les êtres humains veulent? C'est bien ça, c'est le bonheur. La spiritualité en soi ne veut rien dire, elle n'est que la traduction de la quête du bonheur. Il faut qu'on change donc de façon de fonctionner, au-delà même des préoccupations fondamentalement spiritualistes. Et donc, une maladie, par exemple, qui nous arrive, c'est déclencheur? Oui, je crois qu'il y a des maladies pour certaines personnes qui sont bénéfiques, dans la mesure où elles sont obligées de faire une pause dans leur vie, de faire le point et de se dire, mais qu'est-ce que j'ai fait pour en arriver là? Qu'est-ce que j'ai fait de ma vie? Quel était mon rêve primordial? Est-ce que j'en ai eu un d'abord? Et qu'est-ce que j'ai fait de ce qui m'habitait, de ce pourquoi je suis venu sur Terre? Est-ce que j'ai déjà réfléchi d'abord à la raison pour laquelle je suis venu sur Terre et à la vie que je veux mener? Alors, il y a beaucoup de gens qui font un grand chemin à partir de maladies très sérieuses. Parfois, ils n'en guérissent pas, dans leur corps, mais il y a des personnes qui meurent guéries. Je veux dire guéries au niveau de leur âme. Parce que la disharmonie qui a été le signal d'alarme que leur a envoyé leur âme a été l'élément déclencheur d'une croissance extraordinaire. Vous êtes très intéressé à la santé, hein, aux maladies, aux enseignements esséniens. Qu'est-ce que vous avez découvert à ce niveau-là? Une maladie vient d'une émotion à l'origine, vient de quelque chose qui a été emprisonné? Il peut y avoir évidemment beaucoup d'origine à une maladie, mais ce que j'ai remarqué d'une façon globale, c'est que la plupart des troubles de la santé viennent généralement d'une désynchronisation de l'âme par rapport au corps, c'est-à-dire de troubles au niveau de la conscience, d'un malaise, d'un désaccord profond avec soi ou avec autrui, de querelles, on désynchronise quelque chose sur le plan subtil. Depuis que je suis tout petit, j'ai toujours eu la possibilité de voir très spontanément les auras. Au début, je pensais que c'était un défaut de ma vision. Et puis, à l'adolescence, j'ai commencé à croire que tout le monde voyait ça. À l'adolescence, je me suis dit non, tout le monde ne voit pas ça. Donc, c'est un défaut de vision. Et puis, quand j'ai commencé à faire des expériences d'ordre mystique, comme ça, de la décorporation, ce qu'on appelle globalement le voyage astral, là, je me suis rendu compte que non, que tout le monde ne voyait pas ça. Et plus j'observais ce qui se passé, plus je me rendais compte que c'était les états, les radiances colorées qui entourent un corps physique sont fonction de la vie intérieure de l'être. C'est-à-dire que si on se met en colère, on va générer des lumières rouges sombres autour de soi. Si on se met à aimer, ça va devenir rose. Toutes les émotions, tous les sentiments qui nous traversent rayonnent d'une façon différente à travers notre aura. Et cette aura, eh bien, elle est le témoin, le baromètre, je dirais, de l'aspect vibratoire de nos corps subtils. C'est de cette façon-là que j'ai commencé à m'intéresser à la santé, parce que je me suis bien rendu compte qu'en dehors de notre corps physique, eh bien, il y avait d'autres corps qui vibraient sur d'autres fréquences, et que ces autres fréquences pouvaient souffrir de nos états d'être et qu'elles envoyaient des informations erronées ou déstabilisantes à notre corps physique. Alors c'est de cette façon-là que je me suis penché sur la question, que j'ai été amené à retrouver des méthodes de soins qui étaient propres aux Esséniens, par exemple, et ça continue, le travail continue. Donc plus on augmenterait notre taux vibratoire, plus quelque part on est protégé. On est protégé, c'est-à-dire c'est une question d'alignement. Hein. Nous avons plusieurs enveloppes, au niveau de nos corps subtils. Si une enveloppe vibratoire se désynchronise des autres, il est évident que ça crée des troubles. C'est un petit peu compliqué d'expliquer ça en quelques minutes, mais il faut que les corps soient parfaitement bien alignés pour qu'il y ait une
une circulation, je dirais, de l'onde de vie correcte à travers l'ensemble de l'organisme. Notre corps physique n'est que le dernier maillon de la chaîne, en quelque sorte. C'est d'abord les corps de cette réalité que l'on appelle l'âme. L'âme, c'est un grand mot, mais l'âme est faite d'un certain nombre de couches vibratoires. Et c'est là que ça se passe en réalité. Le corps physique ne traduit que la santé du corps physique, ne traduit que la santé de notre âme. Après, évidemment, il y a des produits qui sont toxiques pour le corps. Là, on parle tout à fait d'autre chose. Mais je parle de la maladie dans son essence en tant que désynchronisation du corps. Donc une fois qu'on est aligné et qu'on c'est notre point de focus, après le reste j'ai envie de dire va fonctionner. C'est ça. Moi j'aime bien citer par exemple l'exemple de cet écrivain français qu'on connaît bien puisqu'il a écrit Robinson Crusoe, Daniel Defoe. Cet écrivain anglais. Lui c'était un médecin. C'est un médecin. Il a soigné les Londoniens durant la grande année de la peste en 1666. La grande année de la peste, quand on lit son... Il a écrit un livre par rapport à ça. C'est épouvantable ce qui se passait. Les gens se défenestraient, ça mourait par milliers. Il a soigné des milliers de personnes de la peste dans Londres. Il n'a jamais rien eu. Pourquoi ? Parce qu'il était manifestement investi du travail, de la mission de soigner et devait être forcément... hypercentré. Comment se fait-il que lui qui a vécu vraiment au milieu de la peste soit passé comme ça à travers en la fréquentant chaque jour? Nécessairement, il y avait quelque chose en lui qui faisait qu'il n'a pas du tout été contaminé. Il y a énormément de gens d'ailleurs comme ça sur Terre qui côtoient la maladie à des niveaux extrêmement importants et qui ne la prennent pas parce que visiblement ils sont centrés, parce que c'est leur cœur qui travaille, parce qu'ils sont en accord avec leur conscience. Donc il ne faut pas s'identifier à cette maladie. Ne pas s'identifier à cette maladie, c'est certain. Oui. C'est dur ça. C'est dur, oui. Ça paraît pas évident. Hein. Non, c'est certain. Mais quand on réfléchit bien à tout cela, c'est logique aussi. Je crois que quand on est bien dans son âme, dans son cœur, quand on est en cohérence, je crois que c'est le principe de cohérence qui est extrêmement important. Et lorsque il m'arrive d'enseigner devant des petits groupes avec mon épouse, Marie-Joanne par exemple, eh bien c'est cette notion de cohérence que j'insiste énormément. Soyez cohérents avec ce que vous faites. On ne peut pas prétendre croire en certaines choses ou affirmer certaines choses si soi-même on n'est pas logique avec cette pensée dans nos attitudes quotidiennes. Et les injecter d'amour, hein. Chaque petit moment on doit être là dans l'amour, et c'est pas seulement le « je suis gentil avec les autres », mais... C'est au-delà de la gentillesse. La cohérence demande parfois être extrêmement ferme. On peut donner parfois l'impression d'être dur avec certaines personnes, mais c'est quelquefois la voie de l'exigence qui fait faire des grands bonds en avant. Quelqu'un d'exigeant n'est pas nécessairement quelqu'un de peu aimant, c'est quelqu'un aussi qui... L'exigence n'est pas l'intransigeance, hein, c'est autre chose. L'exigence est un appel justement à la verticalité et à la conséquence dans notre façon d'être. Magnifique, je pense qu'on pourrait parler des heures. En tout cas, je vous remercie pour ce délicieux moment partagé. Quel est votre prochain livre, vos projets en ce moment ? Alors, c'est un livre qui va s'appeler justement Advaita, j'en ai un petit peu parlé tout à l'heure, et qui est à la fois un livre de réflexion sur le plan métaphysique par rapport à la constitution de l'être humain, de sa conscience, à l'existence d'un cosmos intérieur. Puis en même temps, c'est aussi un livre d'exercices. Il va y avoir 12 ou 15 exercices pouvant amener chacun à essayer de rejoindre son unité dans son propre cœur. C'est la direction de ce livre-là. Et demain, vous faites une conférence au Zénith de Toulouse avec les éditions Ariane. Excusez-moi, oui. D'où notre rencontre. C'est une conférence qui va porter sur le féminin sacré, c'est-à-dire nous ramener un petit peu ce que nous disions tout à l'heure. Par rapport à la présence, à l'importance de l'énergie féminine, intuitive, au cœur de nous-mêmes. Merci beaucoup Daniel, merci de ce délicieux moment. Merci aussi Lilou, merci beaucoup. Au revoir mes délicieux co-créateurs, à bientôt.